Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des personnes qui sont entrées sur le territoire national français étant mineures. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes entrés en France à l'âge de 10, 11, 12, 13, 14, enfin, quand on est entré, qu'on soit rentré mineur, qu'on va forcément avoir une régularisation. Alors, il y a certaines procédures, il y a certains cas où, justement, la personne qui est entrée mineure est admise pour une régularisation en bonne et due forme. Les cas où, effectivement, les personnes sont entrées mineures peuvent être admises sont au nombre de 5, et je vais donc vous les énumérer assez rapidement. Enfin, je dirais même 6. Voilà. Et donc, du coup, vous vérifiez si vous êtes dans l'une de ces conditions. Et ensuite, si vous êtes dans l'une de ces conditions, vous devez vous procurer le dossier sur le site de la préfecture, prendre rendez-vous et puis demander ainsi un titre de séjour, vie privée et familiale pour étrangers étant entrés mineurs. Le premier cas de figure où effectivement on admet, où l'État admet une régularisation pour les étrangers entrés mineurs, et le cas des personnes étant entrées sur le territoire avant l'âge de 13 ans et qu'ils vivent avec leur père ou leur mère depuis cet âge-là. Et le père ou la mère doit ainsi être régularisé et doit être en situation régulière sur le territoire national au moment où l'enfant est entré mineur. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes d'origine marocaine, par exemple. D'accord ? Vous avez votre papa ou votre maman qui vit en France. Votre maman, votre papa ont un titre de séjour ou une carte de résident. Vous êtes entré sur le territoire national avant l'âge de vos 13 ans. Eh bien, vous pouvez vous voir délivrer, en étant mineur, un document de circulation pour étranger mineur et à votre majorité, ainsi vous voir attribuer un titre de séjour vie privée et familiale. Vous vous doutez bien qu'au moment de la délivrance de votre titre de séjour, vous allez payer le visa de régularisation si vous êtes entré sur le territoire sans visa. Donc ça, c'est le premier cas où effectivement on peut se voir régularisé et ainsi se voir attribuer une carte de séjour vie privée et familiale. Alors pour les Tunisiens, il faut être entré sur le territoire national avant l'âge de 10 ans. 10 ans est l'âge limite. Si vous entrez à 11, 12, 13 ans, vous ne pouvez pas vous voir attribuer un titre de séjour vie privée familiale à l'âge de vos 18 ans. Et même, j'ai envie de dire, vous n'aurez même pas le droit à un document de circulation pour étrangers mineurs. Cependant, si vous le demandez, on ne peut pas vous mettre une OQTF à votre encontre parce que vous êtes mineur et on ne met pas d'OQTF dans le cas des refus de délivrance d'un titre de séjour ou d'un document de circulation pour les mineurs. Deuxième cas de figure où on peut se voir attribuer ainsi un document de circulation et par la suite un titre de séjour vie privée et familiale, c'est le cas des étrangers qui sont entrés mineurs et qui ont été admis à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans ou à l'âge de 16 ans maximum. Si vous êtes par exemple, encore une fois, tunisien, marocain, algérien, malien, gabonais, ou encore congolais, ou peu importe, toute autre origine, et que vous êtes entré sur le territoire national avant l'âge de vos 16 ans, et que vous avez été admis à l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de vos 18 ans, vous pouvez solliciter un titre de séjour vie privée et familiale parce que vous avez le droit à ce titre-là. C'est les départements qui gèrent l'aide sociale à l'enfance. Troisième cas de figure où vous pourrez vous voir attribuer un titre de séjour lorsque vous entrez mineur sur le territoire français, c'est lorsque vous êtes né en France et que vous résidez en France au moins 8 ans continu et que vous avez été 5 ans dans une école en France après l'âge de vos 10 ans. Alors là, il y a trois conditions. Vous devez être né en France, résider au moins 8 ans sur le territoire national, continu bien évidemment, et enfin que vous ayez 5 ans d'études dans une école en France. En gros, je donne un exemple qui va vite vous dire « Ah oui, c'est vrai,
Si vous êtes né en France, vos parents ont décidé de vivre à l'étranger, vous êtes donc reparti avec vos parents. Finalement, ils ont changé d'avis, mais sauf que vous n'avez pas demandé un document de circulation. Vous êtes revenu entre-temps sur le territoire avec votre famille, ou même avec, tout seul, ou avec votre tante, etc. Et vous n'aviez pas justement de titre de séjour ou de document de circulation. Mais que vous avez résidé de manière continue sur le territoire au moins depuis 8 ans, et que vous avez été à l'école 5 ans, vous pouvez, à vos 18 ans, solliciter un titre de séjour vie privée et familiale. Et donc, il vous en sera attribué un de plein droit. Ensuite, les personnes pouvant avoir un titre de séjour vie privée et familiale, c'est les jeunes mineurs qui sont entrés par regroupement familial à l'âge de leurs 18 ans. Ils vont pouvoir avoir un titre de séjour vie privée et familiale. Ou encore les jeunes majeurs qui sont entrés par regroupement familial et on peut directement attendre qu'ils aient 18 ans parce qu'ils sont entrés à 17 ans et quelques mois. On attendra toujours 18 ans pour leur attribuer directement à leur égard ou du moins leur attribuer un titre de séjour vie privée et familiale. Enfin, c'est le dernier cas de figure où on peut se voir attribuer un titre de séjour vie privée familiale dans le cas où nous sommes entrés en France avant l'âge de nos 18 ans. C'est lorsque vous accompagnez l'un de vos parents qui, lui, est titulaire d'une carte de résidence Union européenne longue durée. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous pouvez également, à l'âge de vos 18 ans, demander un titre de séjour vie privée et familiale. Et il vous en sera attribué un de plein droit parce que justement c'est votre droit. Bien, il me semble que j'ai fait le tour de tous les cas de figure dans lesquels vous pouvez avoir un titre de séjour vie privée familiale si vous êtes entré mineur sur le territoire. Première chose, avant l'âge de 13 ans et que vous vivez avec votre père, votre mère en France et que votre mère, votre père soit en règle. Deuxième chose, c'est lorsque vous avez été admis à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de vos 16 ans. Troisième chose, c'est lorsque vous êtes né en France. Quatrième possibilité, c'est lorsque vous avez une résidence. Enfin, c'est lorsque vous habitez avec vos parents, avec l'un de vos parents tous deux, qui eux ont un titre de séjour Union européenne longue durée. Et enfin, lorsque vous êtes entré mineur par regroupement familial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère donc vous retrouver pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bon courage tout le monde.